Salut Jamo, comment vas-tu? Hey, ça va, tu vas bien? Super Jamo. J'en profite pour te J'adore. saluer et tous Merci. ceux qui aiment la chaîne Jamcore DZ, tous les pays Ouais. francophones, les pays du Maghreb, que tu salues à chaque fois également, et tous les Merci. fans de mon magazine Fitness Mag. Super magazine. Merci Reste parce que beaucoup. c'est classique. J'aime bien que tu partages avec les gens le vrai bodybuilding. Et c'est ça la chose la plus importante. Tu amènes aussi les gens qui ont une notoriété énorme dans le bodybuilding, spécialement en France, et du comme Ben Fadou et René, même que C'est ça fait ça. longtemps, longtemps que j'ai pas. Tu sais, je me rappelle du monde du muscle, le bon vieux temps, je voyais René même. C'était un des gars qui m'ont vraiment, vraiment poussé à faire tout ce que j'étais en train de faire. Enfin, l'essentiel. Merci beaucoup. Merci à toi aussi de nous accorder cette interview. Ça fait un petit moment qu'on devait la faire. Jamo, pour aller à l'essentiel, ceux qui ne te connaîtraient pas, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je vais faire un petit résumé, après tu enchaîneras. Tu es né en 66, tu vas avoir bientôt 50 ans, fin d'année. Ben non, je vais faire 50. Tu les fais pas, hein? Merci. Je l'ai payé pour dire ça. Et les mecs, ils sont en train de regarder. Je l'ai payé Pas pour du dire tout, ça. même pas en plus. Tu as vécu à Londres. Au final, je fais assez court, hein, pour finalement t'installer en Californie. Tu as vécu donc pas mal d'années. Tu as été pro IFBB. On sait, toi et moi, tu l'as dit à tous tes fans, que tu as arrêté ta carrière en 2003. Tu as pris ta retraite. Ouais. Tu nous diras tout à l'heure pourquoi, mais on connaît la principale raison, hein, c'est cette Ouais. course à la masse à l'extrême. Entre-temps, tu as créé ta chaîne et tout ton business, Jamcore. Déjà à l'époque, tu l'avais fait, hein, qui cartonnait déjà sur YouTube. Tu as arrêté pendant un petit moment, tu as eu ta famille, etc. Tu t'y es remis et on se suit depuis ce moment-là. Et moi, j'ai vu ta croissance sur YouTube et j'ai vu tout ton fan club augmenter. Je te félicite au passage parce que tout ce que tu fais, c'est phénoménal, c'est top. Bravo. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment t'interviewer dans mon magazine. Merci. Pour aller à l'essentiel, parce qu'on a une OK. demi-heure tous les deux, toi pour ton business et pour moi, vite rentrer, parce que moi je te contacte pour ceux qui ne savent pas de Corse, donc petite île en France, et toi tu es en Californie. Hein? OK. Donc on va faire quelques petites questions-réponses, hein, que moi je t'ai préparées. Tout d'abord, j'aurais voulu, parce que je connais ton franc-parler, c'est ça qui m'intéresse, j'aurais voulu ton point de vue pour les fans de YouTube, mes fans, les tiens. Pour toi, la musculation c'est quoi? Et le sport en général c'est quoi? Ça apporte quoi? Tu sais, la musculation, quelqu'un qui fait de la musculation, c'est pas juste comme les gens disent, c'est de la gonflette et soulever du poids, c'est plus que ça. La musculation, tu sais, au début, lorsqu'on avait commencé, bien sûr, la première fois que tu prends un poids et tu commences à vraiment sentir ces sensations qui sont extraordinaires, parce que on ne se rend jamais compte de ces sensations lorsqu'on fait la musculation pour la première fois. Parce que lorsque j'avais commencé la musculation, je me rappelle, tu sais, je faisais juste des pompes, des barres fixes et tout. Et après, tes copains me disaient, ah, viens soulever des pompes avec moi, arrête de faire les cons, arrête de faire les cons, c'est de la gonflette. Et la première fois, lorsque j'étais parti, tu sais, faire la musculation avec mes copains, j'avais 19 ans, je crois. Ils m'ont amené à une salle, j'étais en train de soulever des poids. Et les sensations le lendemain matin, c'était comme, waouh! Tu sais, c'est ça où les gens se perdent. Et c'est ça où les choses commencent à vraiment évoluer avec une personne qui commence à vraiment s'attacher, à être vraiment accro à la musculation. C'est à cause de ces sensations. Et ces sensations peuvent causer beaucoup de problèmes. Ils peuvent ramener les gens vers la droite ou C'est vers la vrai, gauche, c'est vrai. vers la droite où ils vont vraiment succomber et devenir vraiment obsédés par la musculation, ou vers la gauche où ils vont vraiment, vraiment réussir lorsqu'ils utilisent la musculation. C'est un style de vie. C'est un style moi, j'ai la musculation dans le sang. J'ai quitté mes études de médecine pour devenir ce que je suis venu parce que je savais que ça allait me rendre et me donner un équilibre qui est extraordinaire. Et les gens supposent et assument et jugent les gens parce qu'ils vont en train de soulever des poids et blablabla. Directement, ils les jugent. Un des plus grands bodybuilders, c'est des cracks, c'est des intelligents, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, donc on a tout, tu C'est sais. vrai. Et à travers le culturisme, le bodybuilding, on a des valeurs comme la motivation, le dépassement de soi, tous les bienfaits, autant sur le corps en transformation physique, le mental, l'esprit. L'esprit, le mental, la discipline. Personne ne peut faire ce que un bodybuilder peut faire, bien sûr. C'est Personne. vrai.
Un bodybuilder qui, bien sûr, qui est organisé, est quelqu'un qui vraiment sacrifie tout dans sa vie et faire ce qu'il veut faire parce que ça lui fait plaisir, parce que les gens, tout le monde juge, il fait de la musculation parce qu'il a de la gonflette, tout le temps on revient à la même chose, la gonflette, oh, ils n'ont rien à faire, ils sont en train de soulever des poids, blablabla. Mais c'est ce qui le rend heureux, c'est ce qui le rend comme le tennisman, comme le gars qui joue au ping-pong. Exactement, Jamon. Il y a cette notion de plaisir qui est très importante. Il y a cette notion de partage souvent, parce que voilà, on arrive à communiquer cet enthousiasme aussi aux autres. On se sent bien dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. On est plus performant parce qu'on a beaucoup plus confiance en soi. Tu es d'accord? La confiance, mais il faut faire attention lorsque la confiance devient une arrogance. Ça, c'est un problème. On y arrive. Ils ne savent pas la différence entre l'arrogance et la confiance. Ma femme me dit, il n'y a pas longtemps, je te parle de tout. Tu sais, ma femme, elle me parle, elle m'envoie un petit texte, elle dit, hey, t'es un petit peu arrogant, toi. Je dis, pourquoi? Non. Elle dit, parce que en ce moment, tu es en train de faire ça et ça. Mais non, on était en train de parler de quelque chose. Voilà, ce qui a ramené ça, c'était, je veux un autre bébé, bien sûr. Et je voulais dire, ah, tu sais que je veux un autre bébé et tout. Tu sais, ma femme, c'est la première fois qu'elle a eu une fille, donc on revient on voulait un autre enfant, et ça lui prend beaucoup de temps, donc elle est fatiguée et tout, donc elle a commencé à me dire, si on te paye pour faire du montage d'une autre campagne, est-ce que tu le feras? Je dis, j'ai pas le temps pour faire du montage. Elle m'a dit, mais c'est comme ça que je me sens. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas faire le boulot et avoir un autre bébé. Je dis, mais moi, je fais le boulot de 10 personnes. Elle me dit, mais t'es arrogant, toi. Je dis, il ne faut pas confondre l'arrogance avec la confiance. C'est quelque chose de différent. Exact. L'arrogance, lorsqu'on était 21 ans, tu sais, tu commences à grossir, tu as l'attention des gens et tout. Donc là, tu commences à te faire prendre pour quelqu'un qui est spécial et tu payes le prix. Ne coupe pas, je vais juste... Je t'en prie, vas-y. Donc, revenons. Donc, arrogance et confiance. Et c'est ce qui rend la différence entre les gars qui réussissent et les gars qui vont succomber et ne jamais, jamais réussir dans le culturisme. Oui. Je vais dire pourquoi. Je me suis fait défoncer par des mecs lorsque j'ai commencé. C'est la première leçon que j'ai apprise. Tu sais, tu débarques, tu commences à gagner les compétitions, tu te prends pour quelqu'un qui est intouchable. Je te donne une parce que c'est ça l'exemple d'histoire, le genre d'histoire que les gens vont adorer. Donc je débarque la première compétition et je savais même pas ce qui se passait. Donc on m'a appelé le premier pour les comparaisons et on m'a rappelé plus. Et je dis, oh, j'ai perdu moi. Je savais pas comment ça se passait. Le mec il me dit, t'as tout gagné. Tu crois comment c'est? Il m'a appelé juste une fois. Il m'a dit, t'as pas besoin de revenir. T'as gagné. Donc je gagne ma catégorie. Je pars à la maison. Je vais prendre le train, le métro. Le mec, des mecs qui courent, ils me rappellent, ils sont en train de te rappeler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de te rappeler, t'as pas encore fini. Je redébarque et je prends toute catégorie. Je prends toute catégorie. J'avais 21 ans. Je pesais 75 kilos. C'était où, en Angleterre, ça? En Angleterre, oui. Et ça, c'est les shows que tout le monde, les plus grands culturistes d'Angleterre ont gagné. Donc, 75 kilos. 75 léger. Kilos. Et regardez comme ça, là. Là, les gars commencent à arriver comme ça. Je vois Ian Harrison. Tu te rappelles Ian Harrison, l'anglais? Ouais. Ça fait 21 ans. Il était pro. Il pesait 115 kilos. Je suis parti chez lui. Je lui dis, un de ces jours, moi et toi, sur le podium. Il m'a regardé. Mais ce qui était bizarre, c'est que 5 ou 6 ans après, on se revoit. Il me dit, tu me rappelles lorsque tu m'avais dit ça? Je lui dis, je suis vraiment désolé. Il me dit, non, t'es cool, regarde-toi maintenant, t'es avec nous. Tu sais, c'est... Oui, mais ça, c'était de la bonne motivation, tu vois. C'est de la bonne motivation. Donc, lorsque j'avais commencé, lorsque j'avais gagné, donc je débarque la deuxième compétition. Ah, je n'ai pas besoin de m'entraîner durement. Là, je vais tuer tout le monde. Je me fais battre. Mais c'est ce qui m'a vraiment poussé à m'acharner. Il y a quelqu'un, un gars qui débarque, et tu sais, il y a beaucoup de compétitions entre les gyms. La gym où je m'entraînais, ça s'appelle Muscle Works. C'est la mecca de bodybuilding en Angleterre. Tous les plus grands champions, comme Brian Buchanan, tu te rappelles. Oui, qui avait la taille très petite, très très petite. Ouais, JD Daoud, il est de là-bas, il était mon compagnon d'entraînement de 92 à 94. Énorme, c'était mon compagnon. C'est comme ça que j'ai grossi. Cette gym, c'est le mec, c'est comme notre père. Et je vais faire des vidéos, je vais faire des vidéos dans cette gym. Ça va être super.
Et Sab, il s'appelait Sab. Et tu sais, lorsqu'il m'avait vu dans cette compétition, il m'avait dit, j'aimerais bien te prendre dans ma gym et vraiment te sponsoriser parce que je sais que tu vas être quelque chose dans le futur. Enfin, l'essentiel, je rends l'histoire courte. Je débarque la prochaine compétition. Je me prenais pour quelqu'un qui était vraiment. Il va battre tout le monde. Intouchable. Je me fais tabasser par un mec. Il m'a tué. Le mec, il était énorme. Ce mec, il devrait être pro cette année, en 91, je me rappelle. Et il était tellement super. Il s'appelle Herman Jimenez. C'était un espagnol anglais. Un super fort. Et c'est grâce à lui que, comme Dorian Yates avait mis la photo de Momo Benaziza sur lorsqu'il était battu par À je la me nuit des rappelle. champions, ouais. Ouais, la nuit des champions, c'était la même chose. Moi, j'avais la photo de ce mec dans ma tête lorsque je faisais tout. Parce que 3 ans, je suis parti de 85 kilos à 102 kilos. Et tu sais la différence. J'ai les vidéos d'ailleurs, je viens de récupérer la vidéo lorsque ce show. Et après, comment que j'étais devenu. Tu Et me c'est passeras comme ça, je mettrai un passage. ouais. Et c'est là où tu commences à apprendre à être calme-toi maintenant, parce que ça va te faire Relativiser. échapper. Et là, je commence à vraiment focaliser, vraiment me focaliser sur l'importance, c'est que tu es rien, et dans ma gym, t'es personne. C'est pour ça que tu grossis, parce que la gym, c'est hardcore. Ils se foutent ta gueule. Même si j'étais parti en Californie, j'étais sur toutes les couvertures, je m'entraînais les plus grands champions. Je rentre dans cette gym, ils se foutent de ta gueule. Ils te font descendre, ils te font rabaisser, pas parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils te gardaient sur la pointe des pieds tout le temps, que ici, tout le monde est le même. Et c'était la chose la plus super dans la vie. À ce propos, justement, pour mettre de côté l'arrogance, relativiser et puis avancer petit à petit, parce que tu t'adresses à énormément de monde sur Internet, tu as beaucoup de coaching aussi, et parmi mes fans, ceux qui lisent le magazine et les tiens, il faut être réaliste, il y a 95%, c'est des gens qui pratiquent la musculation lambda, tu vois, qui feront jamais une scène en compétition. On va parler clairement comme tu sais le faire, et moi je te dis que j'apprécie beaucoup ça. Ouais. Pour tous ces gens-là, pas de poudre aux yeux. Est-ce que vraiment, eux, ils peuvent atteindre un physique hors norme? On sait très bien, toi et moi, que naturellement, C'est sans physique. impossible. Exactement. Et ça, il faut le dire. Voilà, tu l'as souvent dit, moi, Ah, je voulais le dire à mes fans. je comprends pas pourquoi les gens ils sont en train de mentir. Bizarrement, certains le croient encore. Mais pourquoi? Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça les conneries que commencent dans le. Et tu sais, c'est intelligent. C'est comme si je débarque chez toi, Eric, je te donne une claque et je te dis, je t'ai pas donné de claque. Tu vois ce que je veux dire? Je te Exactement. gifle, après je dis, je te gifle, je t'ai pas giflé. Mais arrêtez, c'est. Il y a une expression ici aux États-Unis, ils disent, It's like you're pissing on my legs and you're telling me it's raining. C'est comme si tu étais en train de pisser sur mon Et alors, pied il et tu pleut. étais en train de me dire, ça pleut, il pleut. Et c'est ça les conneries. 99% des gens qui sont sur Instagram, ils prennent des stéros. Et Oui. ce qui fait de la peine, c'est ça. C'est que maintenant, avec ce qui se passe, la plupart, ils n'ont pas d'éducation. Ils Ah. prennent des stéros, ils s'entraînent, average à C'est peu ça. près, ils ont des corps, et tout d'un coup, c'est des coachs, c'est des professionnels. Et Alors. c'est ça la chose qui fait de la peine. Parce que regarde, les gens commencent à vraiment découvrir ce qui se passe. Il y avait quelque chose qui s'est passé avec Shreds, la compagnie qui sont en train de mentir à tout le monde. On voit Instagram, les photos modifiées, Photoshop. Photoshop et les conneries et ça. Et tu sais, lorsque je vois des choses comme ça, les gens m'envoient des emails, ils me disent, ah, qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que je dis, continue à faire les cons, continue à mentir aux gens, et parce que les gens commencent à vraiment découvrir toute la vérité. Et les gens, ils n'en ont rien à foutre si tu prends des stéros, tu ne prends pas des stéros. S'ils t'adorent et tu es direct avec eux, tu leur dis la vérité et tu as choisi de faire ça, ils vont plus te respecter que lorsque tu Exactement. commences à mentir. Et tu sais, C'est ça. Jamo, si tu me permets, si je t'ai posé Ouais. cette question-là, c'est parce que je voulais juste en reparler, après on passe à autre chose, parce que dans mon magazine, je parle des culturistes, tu as vu du bodybuilding le vrai, de très très loin jusqu'à maintenant, en m'attardant sur le bodybuilding old school, classic line, les esthétiques, etc. Sauf que je tiens à faire de la prévention, parce que comme tu l'as dit, sur Instagram, sur Facebook, c'est les rois des selfies, tu vois, tout le temps comme ça.
Et il devrait plutôt, comme tu l'as dit à juste titre, repasser par la case apprentissage. Tu as parlé de notre ami Frédéric Delavier, qui est dans mon magazine aussi. Les bouquins, certaines vidéos, certains coachs, voilà, de qualité. Réapprendre tout de A à Z. Et puis prendre le temps, être patient. Ils auront un physique hors norme, mais ils n'auront pas un physique de compétition. Mais ça Non. suffira, ils se sentiront bien dans leur peau, ils seront heureux. Faut pas Ouais, mentir. il faut pas mentir. Eric, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que j'aime bien parler sur des sujets comme ça. Donc, regarde, nous, OK, moi, je suis marié, je suis heureux. OK. Donc, les mecs, pourquoi ils font la musculation? Pourquoi ils vont avoir des physiques? C'est pour les femmes. C'est pour les filles. Sauf si tu joues pour l'autre équipe. Enfin, c'est ton histoire, ton business. Mais c'est pour les Exact. filles. Et ils croient que les filles adorent les mecs très musclés. Moi, j'ai eu plus de succès avec les femmes. C'est lorsque j'étais un peu moins, Moins, mais ouais. complètement moins. Et un corps physique, c'est un corps qui est naturel. Et ça, c'est vraiment atteignable. J'ai fait des vidéos avec Double Dragon Workout. Ils étaient super, ces deux Je l'ai jeunes. vu, Ils ouais, sont très 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 forts. bien. Et je sais qu'ils sont naturels. Je sais qu'ils sont naturels. Bien Les sûr. mecs, des corps de folie. Ils n'arrivent pas à se placer, les mecs, parce qu'à chaque fois qu'ils disent on est naturel, non, tu prends des stéroïdes, non, tu prends des stéroïdes, parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Si tu marches dans la rue et tu as un beau corps, c'est 70 kilos, 75 kilos max, ça c'est atteignable avec sans stéro. Pourquoi? C'est prendre le temps, comme tu l'as dit, et t'éduquer, et faire les choses C'est proprement, et ça. galérer. Pourquoi tu te poses des questions? T'as pas le droit de faire de la musculation si tu veux pas galérer, et tu le sais. T'as pas le droit de faire de la musculation si tu veux pas souffrir. Tu vas pas souffrir. Si tu ne souffres pas, t'as pas le droit d'être dans la musculation. C'est Exactement. simple. Tu sais ce que je dis à mes fans tout le temps, ceux du magazine, qui posent toujours la même question. Je dis donc de la patience, apprendre les bases en biomécanique, en physiologie, en diététique, apprendre à faire correctement les mouvements. Et Dieu sait qu'on en parle beaucoup avec Francis Benfato. Le positionnement, la vitesse, l'angle de travail. Le reste, ça vient tout seul avec le temps, tu vois? Plutôt prendre la discipline, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de vraiment, vraiment apprendre tout. Je vais lancer mon programme Supermass aujourd'hui. Et ça m'a pris 12 semaines pour mettre le truc, tout le programme ensemble. Et je parle de tout. Je leur dis, dans la vidéo d'introduction pour présenter le programme, je leur dis, si vous n'êtes pas prêt à faire tout ça, oubliez. Vous avez perdu votre argent. Et c'est pour ça que vous n'allez pas vous mettre dans la tête que parce que j'ai acheté le programme Supermass de J'aime Corps DZ, je vais grossir. Il faut faire le boulot. Moi, je vous donne les outils. Ça Je se vous fait pas tout montre mon seul. expérience, par quoi je suis passé, ce qui est faux et ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Si je n'ai pas la réponse, je vais te chercher la réponse. Parce que j'ai des copains qui sont bien placés. Et tu sais, surtout maintenant avec le problème de ce qui se passe dans l'Internet, c'est ce que j'appelle le contrarianisme. Le contrarianisme, les mecs qui ont lu quelques bouquins, et comme ça, ils débarquent, oh, ça marche pas parce que oh, ça marche pas. Oui, les fameux trolls qui viennent contrarier Oui. et contredire tout le temps. Celui-là, il a dit ça dans son bouquin, il disait, il n'y a pas mieux que l'expérience. On est passé partout. Exact. On est passé partout. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que tu ne peux pas prendre une équipe de scientifiques qui ont fait des tests pendant 12 semaines pour conclure quelque chose. Ça fait freaking 30 ans qu'on fait des trucs comme C'est ça. vrai. Et tu as raison. Et non seulement il faut passer par l'expérience, et une expérience individuelle, parce qu'on est tous différents. Exactement. Ce qui marche pour toi ne va pas marcher pour moi. Ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour toi. Un Exactement. exemple, je me suis entraîné avec Dorian. Hein, tu sais, lorsque j'ai commencé avec Dorian, c'était la première séance. C'est la peur. Et je m'entraînais avec JD Dawood, c'était la folie. JD, c'était un fou. Je lui ai appris la forme, il m'a appris l'intensité. C'est ce qui nous a rendu vraiment comme ça. Et aller dans un endroit avec Dorian, lorsque tu t'entraînes et lorsque tu vois le mec, il s'est retiré de la compétition. J'étais en pleine compétition. Il a dormi 3 heures. Il vient le jour après, on se rencontre dans la salle. Les jambes à faire. J'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. On remplit toute la préchambre, mais tout, hein, tout. J'y vais. Je fais 10, 12, 13, 14, 15. Tu sais, lorsque ton muscle ne connecte plus avec Ouais. ta
cervelle. Ça y est, c'est l'échec. Il me fait passer par deux encore. J'allais, tu te retrouves dans la position. C'est ça les genres de choses que les gens ne savent pas, ne connaissent même pas. Ils me disent, oh, comment qu'on arrive à grossir? C'est comme ça que tu vas grossir, lorsque tu dépasses ça. Exactement. Lorsque tu arrives au dos derrière, où ça y est, tu sais, c'est soit toi, soit la répétition, soit tout le poids sur ta gueule. Et t'as pas le choix. On est d'accord. Tu es foutu. En gros, tu sais, Donia Ringetz, avec le fameux HIT, Intensity Training de Mike Manzer, il poussait son corps dans ses retranchements. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une zone de confort, il faut la dépasser, parce que si le corps, on ne le stimule pas au point qu'il est obligé de réagir, il ne réagira pas. Mais c'est ce que j'allais te dire, la seconde partie de l'histoire, la deuxième partie de l'histoire. Donc 13, 14, 15, 1, ça y est. 16, 1, ça y est. 17, toi ou le poids. Je finis. Le mec, il débarque. Il rajoute encore du poids. Je suis en train de regarder. Hein. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Je l'ai eu. Je suis comme ça. Oh, il ne peut pas. Logiquement, ce que j'ai regardé, parce que je sais l'échec, je connais l'échec. Et tout d'un coup, je te jure de ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il repose, 1, 2, 3, et tout d'un coup, la sixième vitesse débarque. Je ne sais pas d'où l'a ramené la sixième vitesse. Il craque encore 6 répétitions. J'étais épanoui, ça se dit épanoui, c'est ça? Époustouflé, oui. J'arrive pas à le croire. Et c'est ça ce qui fait la différence entre vraiment s'entraîner d'une intensité où tu peux pas. Donc, j'ai fait son entraînement. J'ai essayé de faire son entraînement, revenir. Oui. Mais ça marchait pas pour moi. C'est ce que j'allais te demander, voilà. Parce que lui et moi, on était différents. Premièrement, il est encore différent du mien. C'est le endo-méso, mais plus vers méso que endo, avec une masse musculaire et une ossature qui est... Moi, je suis plus le méso-athlétique. Je ne pourrais jamais faire ce genre d'entraînement. Donc, mais ce que j'ai appris, tu fais la... C'est l'intensité, c'est le dépassement, vraiment. Hein? Rajoute des séries. C'est ça que j'ai commencé à faire. 4 en premier, tous mes entraînements. De ça, j'ai appris, j'ai pris de la masse. Hein. Je faisais tout le temps 4, 3, 3, 2. Ça, c'est les séries. 4 exercices. Ou 4, 3, 2, 2. Mais je ne pensais pas, je n'allais pas à l'échec comme il faisait une à l'échec, chargée. Parce que mes articulations ne pouvaient jamais prendre ça. Tes articulations, mais ton système nerveux aussi. Parce que ceux qui nous écoutent, pas tous, enfin, j'aimerais qu'ils comprennent. Parce qu'on me pose moi souvent la question, je leur dis, quand on est déjà sous stéro et pas sous stéro, on peut supporter un type d'entraînement ou pas. Et des entraînements qui sont très taxants, comme le dit Francis Benfato, pas tout le monde peut les suivre. Il y a certains qui ont une génétique incroyable, mais aussi l'aide de chimie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour aller vite, mon ami, parce qu'on a beaucoup de questions, on va essayer d'aller vite. L'importance de l'alimentation pour toi. L'alimentation. Et comme on dit ici, if you eat shit, you're going to look like shit. Et si tu veux manger de la merde, vous allez ressembler à la merde. Le jour où j'ai changé mon alimentation en prise de masse, c'est là où j'ai commencé à prendre de la masse musculaire. Maintenant, c'est très très simple. Et très très simple. Les repas, j'ai plus... Ça, c'est moi. Natural food? J'ai plus répondu au solid food que les collations. Mais je prenais beaucoup, beaucoup de bouffe. Et avec, parce que j'étais... Tu sais, pour moi, c'est bizarre. Pour moi, préparer pour la compétition et pour être sexy, c'était la chose la plus facile pour moi. La chose la plus difficile pour moi, c'était la prise de masse. Parce qu'il fallait que je mange 6 repas, 7 repas. Vers la fin, je prenais 7000 calories. Et c'était juste du solide. Donc, je prenais 8 repas. Du matin au soir, ça me faisait chier parce que je chie et je m'excuse 3 fois, 4 fois par jour, je m'excuse. Mais tu sais, c'était la folie. Mais c'est très, très simple. 4 repas, 2 collations,
Et les collations, il faut que ce soit des collations que vous faites, pas la merde qu'ils sont en train Oh, d'acheter, oui. les gainers et tout le tralala. Il faut suivre vos mots macros. Il faut avoir au moins 50, 30, 20, c'est-à-dire 50 glucides, 30 protéines, 20 Lipides. lipides. Si tu commences à vraiment, ce que j'ai répondu le plus à mon corps pour rester encore plus sec, je descendais un tout petit peu en glucides, j'ai augmenté ma protéine 40, 40, 20 pour moi lorsque je restais sec en saison de prise de masse. Lorsque je commençais à vraiment sécher, je gardais mes hydrates de carbone hauts, je m'entraînais plus dur. Et je faisais beaucoup de cardio. Mais ce qui marchait pour moi, donc je grossissais vers les compétitions. Et je ne perdais pas trop. J'étais entre 120 kilos en période pas compétitive. En compétition, je pesais. J'ai perdu 10 kilos, 11 kilos, pas plus de ça. Tu voyais tout le temps mes abdos. Mais ce que j'ai appris, c'est que la bouffe rendait ce que je mangeais me faisait prendre de la qualité. Je gardais mon cardio durant la saison pas compétitive, pour réduire mon taux de gras et le garder à 10%, 12%, pas plus. Je savais que ça me prenait 4 semaines, 5 semaines pour vraiment, vraiment commencer à sécher. Sécher. Après 4 semaines, parce que les premières 5 semaines, on commence à descendre les glucides et on commence à augmenter le cardio, je commence à perdre de l'eau. Donc ça me prenait 12 semaines, exactement 12 semaines, hein. En 8 semaines, 10 semaines, j'étais prêt. Mais prêt, 2 dernières semaines, je m'amusais. Parce que si tu n'es pas prêt, 2 semaines avant la compétition, tu ne vas jamais être prêt. En tout cas, j'incrusterai des photos, bien sûr, de toi en compétition, des extraits de vidéos. Super physique, très esthétique, très large, super sangle abdominale. Chapeau, bravo. C'est le physique, le genre de physique qu'on aime, en fait, qu'on appelle vraiment bodybuilding classe, masse Swiss classe. Comment je l'ai fait? Je regardais Ben Pato, je regardais Bob Paris, je regardais Little Brother, je regardais Charles Clément. C'est comme ça que je m'entraîne. Vas-y, vas-y, vas-y. Ma cliente, elle a encore. Vas-y, On vas-y. va faire vite. Ben Fato qui va écouter notre podcast, il va aimer donc ce compliment que tu lui fais. Tu sais, Ben Fato, pour moi, c'est. Tu sais, lorsque j'ai commencé à lire Le Monde du Muscle, j'avais 18 ans, 19 ans, je débarquais à Paris. J'ai tout le monde. Jusqu'à maintenant, je les ai dans une. Tu les as gardés. Tu sais, je les ai tous. Hein. Ben Fato, la première fois que lorsque je l'ai vu, j'étais là. C'est vrai, lorsqu'il faisait comme ça, Ouais, la fameuse. je veux ressembler à ce mec. Je veux remplir. C'est impeccable pour moi en 91. L'Olympia, moi, je l'ai eu le troisième. Hein, troisième. Lila Brada, il n'a jamais battu. Hein. Ça, c'était sa forme, sa meilleure forme. Lila Brada n'a jamais battu Ben Fato en 91. C'était 91, mais parce que 91. 90, il fait sixième à Olympia, Ben Fato. Mais là, on le voyait, enfin moi je le voyais dans le top 3, hein, carrément. Mais il était parfait, parfait. 90, c'était
Ouais, 90. Non, 90, c'était lorsque Dorian s'est classé deuxième après l'année. 82, c'était Dorian qui l'avait prise. Le jour, là où Dorian était, en 91, je crois que Ben Fatui s'est classé dans le top 6, je crois. Il avait son physique. Il était fantastique. Un de tes meilleurs souvenirs de compétition, toi qui as côtoyé quand même les meilleurs bodybuilders des années 90. Meilleur souvenir, passer du temps avec Flex Wheeler pendant une semaine lorsqu'on avait fait des apparences et rencontrer. Dorian m'avait rencontré en 94 pour ma première compétition en poids lourd. Il débarque pour faire une apparence et on était tous comme ça. Il était avant nous et on allait passer après lui pour la bataille. Donc je suis en train de m'échauffer, il débarque comme ça et le Mac débarque. On était tous comme ça, ça c'est Dorian en train de regarder par terre. Il était énorme. Il vient chez moi. Il me tape comme ça, il me dit « Jamo, super physique. Wow » Fierté. Merci. Le monsieur Olympia te dit ça, ça fait quelque chose. Tu sais, il t'a remarqué. Donc, on est devenus copains. Et après, je passe une semaine avec Flex Wheeler, on a fait des apparences en Angleterre. Et de là, on est parti chez Dorian Yates, je te dirai des histoires. Et là, on est devenus de plus en plus copains. Et après, ça s'est évolué encore plus, tu sais. Ça c'est un de mes meilleurs moments. Tu m'as un peu répondu, mais je te repose la question. Tes modèles quand tu as commencé, tu as cité Ben Fatto, Bob Harris, Labrada, vraiment celui qui va vraiment inspirer le plus. Celui qui m'a inspiré le plus, Bob Harris, Barry DeMay, c'est ça et Ben Fatto, c'est ça les physiques à lesquelles je regardais le plus. Il y a ma cliente qui est en train de me regarder. Est-ce que tu sais, je peux revenir dans 20 minutes si tu veux continuer ça? Ouais, allez, on va faire ça. Hein? C'est mieux parce que je serai plus, on aura plus de temps. Je... Appelle-moi dans 20 minutes. À tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Ciao.